Mais comme toi, Mola, tu fais 16 ans de ma vie, on va m'insulter, mais vilipender. Tout ce qu'il fait pour les gens. On a noté, Mola, on va se calmer, on va se calmer. Vous appelez le promoteur. Non, viens, reste ici d'abord, Mola. Viens, viens d'abord, viens. Finissez votre émission. Viens. La lune dansait dans les zéros. Voici ça. J'ai tout écrit. On va parler, discuter aujourd'hui. Reste attentif, le soir, il y a une vidéo comédie avec Mamie Show. Maury le Mola, pourquoi depuis 2019, Safari Lobiang n'a pas reçu sa maison? Depuis 2019, il y a eu plein de choses qui sont rentrées en ligne de compte qui font que Safari n'a pas reçu sa maison. Et ces choses-là, je ne vais pas commencer par cette question, on a un partenaire. Effectivement, si je prends l'historique, je peux comprendre Safari dans la manière, mais dans la manière de demander, dans la forme, ce n'est pas juste. Il y a 2 mois, on a contacté le manager de Safari pour nous demander, pour lui demander juste de nous envoyer un courrier pour que nous on puisse relancer le partenaire immobilier. Safari effectivement est entré en contact avec le partenaire immobilier. Safari a élu ses lots attribués, mais il n'a pas eu l'effectivité de la construction de la bâtisse qu'il a. Sabario les amis, si tu as compris ce qu'il a dit là, il n'a pas mis en commentaire. Soit c'est moi je ne comprends plus français, soit c'est lui qui n'a pas compris, qui est en train de dévier à gauche. On t'a dit pourquoi il n'a pas eu sa maison. Tu nous racontes quoi comme ça? Quand tu ne peux pas demander autrement que tous les gagnants des primudes, parce qu'il ne s'agit même pas que de Safari, que tous les gagnants des primudes aient leur maison. Mais quand tu dois le faire par une sommation interpellative. C'est ce qui a été fait. C'est-à-dire aller en justice. Il a tourné en rond. Donc, en résumé, il a entamé une processus judiciaire. Quand lui, avant de dire à la télé que le gagnant va gagner maison, hein, que lui, il entame un processus judiciaire pour avoir des papiers pour dire que la maison appartient au gagnant. Moi-même, j'ai pris 2 heures avant de comprendre. Ah, il dit quand il t'envoie un message, tu ne réponds pas. Quand il t'appelle, tu ne décroches pas. Écoute, il n'a pas d'informations. Je l'appelle, il ne décroche pas. Mais Moulou Koukou, Safari fait partie des artistes qui n'ont jamais pris rendez-vous pour venir me parler au bureau. Mais sauf que quand il vient, tu n'es pas là. Non, c'est des conneries. Je suis là. Je vous prends un cas très simple. Et puis, je m'en excuse auprès de lui. Il y a 1 mois et demi, nous, M Group Entité, avons signé Safari. Nous avons donné de l'argent à Safari pour faire une activité. Il a fait les vidéos, il nous a amenés. Il devait se présenter sur notre activité. Il ne s'est pas présenté sur l'activité. Donc, il n'est pas venu honorer sa prestation. On a demandé le lendemain à son manager de nous rembourser l'argent. Elle a dit que, vieux, s'il y a une autre activité, on va rembourser. Mais je ne suis pas venu m'asseoir sur votre plateau, bien sûr, Facebook, pour venir dire que Safari, tu me dois de l'argent. Ça, c'est autre chose. Mais la maison. La maison. Mais où est le rapport? C'est quand tu dis là, c'est autre chose. Ça, là, on s'en fout. Nous, on veut savoir. Où est la maison, là? Depuis 3 ans, où ça est? Attendez! Oh, on t'a dit comment tu t'appelles? Tu dis, j'ai 19 ans. À t'entendre, si on veut bien analyser, c'est que Rita est fautive parce que Rita peut-être ne donne pas les informations. Il y a un défaut de communication. Elle ne peut pas venir décemment devant le monde entier, venir s'asseoir ici pour dire qu'il n'y a pas 2 mois, on a parlé. Tout ce que je reconnais à Safari, c'est sa patience. Maintenant, il vient mettre la faute sur Rita. Rita, là, c'est la manager de Raphaël, Safari. Il dit que c'est à cause d'elle, ils ont fait palabre. Il a besoin de sa maison. Il a besoin d'être dans un lieu. Et je me dis, il a fini un accident, c'est un traumatisme, c'est quelque chose. Comme ça. Toto Mola, t'es parti loin de. Ce qu'il fait pour les gens. On a noté Mola, on va se calmer, on va se calmer. Vous appelez le promoteur. Non, viens, il est d'abord, Mola. Viens, viens, viens d'abord, viens, viens. Finissez votre émission. Mais là, tu viens de te lever là, ça pourquoi? C'est un ridicule. Tu fuis. Hier, Safari a parlé. Safari était dégba. Les mots là glissaient dans sa bouche tellement qu'il a gagné dans son cœur. C'est là on sent qu'il y a la vérité. Mais quand t'es assis là, tu parles. Tu tournes en rond. On te dit A, tu dis B. Un comportement ça là. Comment tu veux que nous, on soit convaincus? Il met une maison à Sangon. On lui a remis. Vous avez fait des polémiques sur ça ici. C'était une maison verte. C'est la même personne qui est passée avec moi sur la chaîne de Willy Dombo. Monsieur Charles, pourquoi Safari n'a pas sa maison? Mais pourquoi ça? Si je n'explique pas, comment je vais vous expliquer? Mais commencez pas à expliquer, vous tournez trop autour. Pourquoi il n'a pas sa maison? Pourquoi il n'a pas sa maison? Ça suscite beaucoup de spéculations. Promoteur quoi, je me sais Charles. L'ancien lui demande pourquoi maison là n'a pas été encore donnée. Il tourne en rond. Lui et puis Mola, mais pas un pour rattraper l'autre. Genre vous êtes réveillé matin, vous êtes sapé. Vous avez mis parfum pour venir d'émission là.
Vous n'avez même pas pensé à trouver une réponse. On a dit que cette maison-là, ça devait être changé. Ça devait changer. Oui. Maintenant, moi, je ne suis pas un boutiquier pour changer des produits. D'accord. Moi, c'est un cadeau que j'offre à la nation ivoirienne. D'accord. On ne m'a pas payé 5 francs pour ça. Non, attention. Non, je viens. Non, payé. Non, si vous ne finissez pas. Non, si vous ne me laissez pas parler. Écoutez, laisse-le finir. Tu n'es pas boutiqué pour échanger maison. Mais tu as bien accepté que Safarel te donne 45 millions pour échanger. Quand j'ai attribué cette maison, il m'a dit que d'échanger. On est allé, monsieur, ici de Benjavi, on l'a attribué. Et non, qui ne veut pas Benjavi. Il veut celui de Passam, plus grand, et qu'il allait compléter. On va comprendre quelque chose. À part cette maison, pour changer cette maison, vous avez proposé deux sites, celui de Bengerville et celui de Bassam. Ouais. Et quel a été le choix de Safarel? Celui de Bassam. Celui de Bassam. Et quelle a été votre réaction? J'ai demandé de compléter le reste d'argent de 45 millions qu'il avait prononcé à la télévision. 45 millions pour qu'on passe chez le notaire pour attribuer la maison. La maison est là. D'accord. Le terrain est là. Tu pouvais le dire le premier jour, dis à Safarel que à Safarel, on dit voici ta maison, c'est ton cadeau, faut prendre. Point final. Mais pourquoi tu es parti accepter les 45 millions? C'est parce que tu sais que tu vas mettre dans ta poche. Tu es là, tu dis que moi, je ne suis pas un boutiquier, que moi, je ne gagne pas 5 francs. Tu gagnes dedans. Tu gagnes. Quand c'est un cadeau, quand je ne suis pas boutiquier pour échanger, tu ne pouvais pas dire ça le premier jour. 45 millions là, ça fait une heure de temps l'émission est passée. Pourquoi c'est maintenant que vous parlez de ça? Dédé, ça fait 3 ans. Vous dites que non, il n'a pas payé. Il n'a pas payé. Tant qu'il ne paye pas, vous ne le donnez pas. Bon, si vous voyez qu'il ne veut pas payer, parce qu'on donnait lui la première maison. Pourquoi vous cachez les clés? Ce qu'il demande, une plus grande maison. Une plus grande maison. On est d'accord dessus. 75 millions. Voilà, oui. Voilà l'image de la maison. On est d'accord dessus. Oui. OK. La différence, pour qu'on puisse terminer ta maison. C'est lui, 45 millions, c'est pas 40 000 francs. Donc vous attendez juste qu'il paye. Qui paye? Ce Safarel, il ne m'a pas payé 5 francs. D'accord. Donc c'est une différence qu'il doit payer pour attribuer la maison. Sinon, je pense que la maison est passée tous. Donc c'est à Safarel, c'était à Safarel de payer les 45 millions pour il n'y a pas les 45 millions. Oui. Vous, qu'est-ce que vous faites? Mais s'il n'y a pas 45 millions, je lui demande à ce qu'il lave mon image d'abord. Oh, lave. Mais non, ça, c'est compliqué. On dit ça, on a compris. On a compris ça, mais est-ce la maison? Écoute, la maison qu'il a obtenue. Et fini, il vient me voir, il veut lui donner sa maison. Alors, donc aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire, si Safarel ne fait pas un direct sur Facebook pour laver votre image, il n'aura pas sa maison. Mais écoutez, je vais préciser quelque chose. Oui. Toi, seul, j'ai des plus de bouche dans ton affaire. Les internautes vont se charger de toi. Moi, je mets joker. Est-ce que tu as envie de t'excuser auprès de Safarel Obiang? Non. En tout cas, les amis, c'est ça qui est là. Vous-même, vous connaissez. Demain, il y aura dossier encore. Paye là, on ne s'ennuie jamais. En tout cas, mettez vos avis en commentaire. Vraiment, moi-même, là, quand je regarde ça, je me dis, mais attends. Mettez vos avis en commentaire et puis défendez-vous.